الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أخواني الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إلى آخر السورة سورة عظيمة أيها الإخوة, أيها الإخوة C'est une sourate qui est descendue à La Mecque quand les compagnons subissaient les pires châtiments de Quraysh. Sourate qui est descendue et qui reste intemporelle, qui reste vraiment intemporelle parce que le Coran est intemporel. Et vous allez voir comment sourate est intemporelle. Le Prophète, en nous racontant l'histoire de cette sourate, il nous raconte un long hadith sur lequel on va juste résumer un petit peu le hadith. Le, le, le Prophète, il nous raconte un long hadith d'un sorcier qui travaillait pour un roi. Et le sorcier était, si vous voulez, le médecin de l'époque. Et il dit au roi, j'ai atteint un certain âge, donc envoie-moi quelqu'un à qui je vais apprendre la sorcellerie. Je vais apprendre comment soigner les gens. Et donc il lui envoie, il reçoit un gamin, un jeune homme. Et ce jeune homme, il va apprendre avec le sorcier. Sauf qu'en allant vers le sorcier, il tombe sur le chemin, il tombe sur quelqu'un qui est retiré, un ermite, qui est retiré de la vie mondaine et qui discute avec lui, qui va lui apprendre ce que c'est les Écritures. Il va lui apprendre qui c'est Allah. Et donc le gamin est perplexe. Qui a la vérité Qui dit la vérité Qui dit la vérité, dit la vérité Le sorcier ou l'ermite Puis un jour, il rencontre, en allant sur son chemin, il rencontre une bête féroce qui fait un blocage pour les gens. Et les gens ne pouvaient pas passer. Lui, il arrive, il prend une pierre, il demande à Allah de lui montrer la vérité. Que si la vie de l'ermite, si les enseignements de l'ermite étaient meilleurs, et c'est la vérité que par rapport au sorcier, qu'avec cette pierre, la bête féroce, elle disparaisse. Et puis il jette la pierre et la bête féroce disparaît, sinon elle meurt. Le hadith est long, je vous dis. Et puis l'ermite, il lui dit Surtout si tu arrives en retard chez toi, dis que j'ai été retenu par le sorcier. Si tu arrives en retard chez le sorcier, dis que j'ai été retenu par mes parents. À un, moment donné, à un moment donné, on voit les gens viennent le voir, viennent le demander. Il y a quelqu'un qui était aveugle dans le diwan de, du roi. Il lui dit, est-ce que tu peux me guérir Il dit, non, moi je ne peux guérir personne. Celui qui guérit, c'est Allah. Si tu crois en Allah, je fais des doigts pour toi et tu vas être guéri. Et donc il lui fait des doigts et l'aveugle, le, 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 il retrouve la vue. Et donc, le roi il va se poser la question Comment tu as retrouvé la vue Ce n'est pas possible. Alors, euh, il, va lui, il va lui dire hein, que c'est le gamin qui a il dit Subhanallah, tu as atteint un niveau de sorcellerie extraordinaire. Il dit Non, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est un niveau de croyance, un niveau de foi qui est extraordinaire. Et quand tu atteins ce niveau de foi, Allah il te donne. Alors, la veuve, bien sûr, il l'a torturé jusqu'à ce qu'il dise Qui lui a enseigné ça qui lui a appris ça Que je, je crois en Allah. Et donc, il va indiquer le gamin. Et le gamin, il va torturer jusqu'à ce qu'il indique aussi l'ermite. Je vous dis, le hadith est long et vous le retrouvez dans toutes les chroniques. Il va ramener l'ermite et lui dit takfur b'illah, parce que c'est moi le roi, c'est moi l'ilah. Fala yakfour b'illah. Fala Fala zala Il va, Il va le torturer jusqu'à ce qu'il le tue. Ensuite, il va se retourner contre le gamin. Il dit « Je vais te tuer ». Et donc il envoie en expédition, il envoie sur une grande montagne, il dit « Vous montez là-haut et quand vous arrivez là-haut, vous le jetez ». Et bien il fait des Allah subhanahu wa ta'ala, il secoue la montagne, tout le monde tombe sauf lui. Et lui, il revient. Il revient vers le roi. Et le roi, il est en colère. Il dit « Tu n'arriveras pas à me tuer que si tu, dis, si tu fais ce que je te dis ». Et donc il le met dans une barque. Et il dit au marin, il dit, amenez-le au milieu de la mer, attachez-le à un sac et jetez-le à la mer. Et au milieu de la mer, il y a la houle qui se lève, tout le monde tombe du bateau et lui, il revient. Il dit, je t'ai dit, tu ne pourras jamais me tuer que lorsque je, te, je tu feras ce que je te dis. Et là, il dit, qu'est-ce que je dois faire Il dit, écoute, tu me crucifies, tu appelles tout le peuple de ton royaume et tu les réunis tous en une seule journée. Je me crucifie dans une grande place publique. Et tu prends une flèche et tu tires la flèche en disant, Bismillah hierbulroulem. Au nom d'Allah, le Seigneur de, cette, de ce gamin. Le roi, c'est ce qu'il fait. Il prend une flèche, il tire, mais il dit, Bismillah dans son fort intérieur. Et les gens n'entendent pas. Et quand il tire la flèche, elle tombe, pas. Elle tombe sur lui, mais elle ne le tue pas. Et il dit, je t'ai dit comment il faut faire. Et il faut que tu le dises à haute voix, que les gens l'entendent. Et il le dit à haute voix, et les gens l'entendent. Et quand il tire la flèche, elle, elle, elle transperce le cœur du gamin et le gamin meurt. Quand il, elle transperce le, le cœur du gamin et le gamin meurt, tout le peuple dit la ilaha illallah. Le roi n'est pas content. Il a perdu son pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait Il va creuser des tranchées. Il va creuser des ukhdoud. Il va creuser des tranchées, et surtout, en creusant les tranchées, ils vont allumer un feu, mais extraordinaire, pour mettre les gens dedans. Et là, le prophète, il nous dit Les gamins, les bébés qui ont parlé quand ils étaient bébés, il y en a trois. Le premier, c'est Isa, Juraj. Juraj, c'était un ermite qui vivait, mais au haut d'une. Et puis en bas de chez lui, il y avait une femme prostituée qui. Et un jour, sa mère, elle vient le voir, et il descend pas, parce qu'il était occupé par l'adoration. Et sa mère, elle fait un doigt contre lui, et la il l'éprouve par les prostituées. Et un jour, la prostituée, elle a un enfant, elle dit, c'est lui. C'est lui qui m'a fait l'enfant. Et quand on a, on a essayé, on a voulu faire le châtiment sur lui, appliquer le châtiment sur lui, le bébé a parlé. Ce c'est pas lui, mon père. Mon père, c'est le berger. Et celui qui a parlé, le troisième... Parmi les gens de l'Ordoud qu'on a jetés dans les tranchées, il y avait une femme à qui on a jeté trois de ses enfants. Elle arrive avec le quatrième dans ses bras. Donc elle recule un peu, elle tergiverse un peu, et le gamin lui dit Maman, n'aie pas peur, tu es sur la vérité. Et elle se jette dans le feu, elle et son bébé. Allah y descend. Alors ce roi, il va recevoir son châtiment quelques années après, bien sûr. Mais. Allah y descend cette sourate aux compagnons qui subissaient l'adversité et les châtiments de Quraish. Il descend et regardez l'éloquence du Coran. Wa al-sama idhatil buruj. Quand Allah Ta'ala jure par les constellations qu'il a créées. El buruj. Allah Ta'ala dit lève les yeux au ciel et regarde les constellations. Allah Ta'ala y dit samaa al-sama bi-zina bezina til kawakib. Là, il a mis une beauté dans cet univers, mais il y a autre chose. La fonction des, la fonction de l'horloge, c'est quoi? Wa alamatin wa binajmihum yahtabun. C'est des signes aussi pour les humains pour trouver leur chemin. Subhanallah. Filsurat al-Furqan, Allah سبحانه و تعالى يَذْكُرُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجًا. Juste après ça. جسر خساء وجعل فيها قمرا وسراجا منير جسر الخساء يسكتي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا سبحان الله قال العلماء البروج كما زنديك للشماء أزمة كذلك عباد الرحمن سوك سو أخواك الله سبحانه وتعالى ست أدية عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا العلماء Comme les savants, c'est eux qui indiquent le chemin d'Allah subhanahu wa qui, et qui n'ont peur de personne. Pourquoi Parce qu'ils ont compris le sens des épreuves sur terre. Donc comme le Buruj, les constellations, nous indiquent le chemin, le, le main nous indique le chemin. Deuxième sens de buruj ceux qui font ça, peut-être qu'ils se cachent des gens. On n'a pas de journalistes là où se passent les massacres. On cache les massacres aux gens. Et certains journalistes vous disent, que va-t-on découvrir quand on lèvera le voile et que les gens pourront rentrer dans les zones de massacre Qu'est-ce qu'il dit Allah Si vous vous cachez des gens sur terre, ceux qui sont là-haut, Allah, El-Malaïka, ils vont venir témoigner le jour du jugement. Ils voient tout et ils notent tout. Et puis vous remarquerez que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, parle du shahada. Allah il parle de shahada, il parle du témoignage, il parle de la vue, il parle de... Allah est au courant de toutes choses. Autrement dit, tu peux te cacher en tuant les gens, mais Allah, il est au courant de toutes choses. Quand vous plongez dedans, vous avez une leçon de vie. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اليوم الموعود الله سبحانه وتعالى ينودي الله ينودون rendez-vous dans un jour كان مقداره خمسين ألف سنة 50000 mille ans le jour du jugement dernier et comme tu as fait aujourd'hui عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أنت aujourd'hui tu as brûlé les gens et eh ben tu vas brûler comme Allah il va te brûler comme tu as brûlé les gens. Wa l-yawm al-maw'oud wa shahidin wa mashhud. Le shahid ici, قال العلماء هو Al-mashhud ceux qui subissent, ceux qui subissent l'épreuve et qui subissent le châtiment d'être humain comme eux. Shahidin wa mashhud. D'autres ont dit al-shahid wa al-mashhud, jour d'Arafat et jour du vendredi. Qu'est-ce que ça veut dire هذا veut dire que « Yawm al-Jumu'a »« Shahidun ala Allah »« Yashhadu ala وجود Allah »« Wa ala wujud que vous soyez ?» Vous avez des gens qui disent « La ilaha illallah » et qui se rencontrent et qui se rassemblent pour dire « La ilaha illallah ». Alors « يوم عرفة C'est le jour le plus béni, le, béni, le jour béni d'Allah, à tel point que Shaitan, il prend Le sable, il le met sur sa tête, il dit Toute l'année, j'essaie de les égarer. Et Allah, il leur pardonne en un, en un instant. Et il y a des millions de gens qui demandent à Allah Allah, il dit aux anges Regardez mes serviteurs, ils sont venus ébouriffés, poussiéreux, de loin. Et il demande quoi La miséricorde d'Allah Il demande le paradis d'Allah. Je vous tiens comme témoin. Un shaitan qui amène l'homme à faire ce qu'il fait. Allah il lui dit, il y a des moments sur terre qui prouvent de la présence d'Allah. Regardez, il y a deux mots. Il y a deux mots. On va faire, on va. j'ai essayé d'aller vite, les rois, parce que Sora, elle a beaucoup d'enseignements. Qutila ashabu, el Qutila qui soit maudit, qui soit maudit ashab al-ukhdud chdud. Regardez, Allah a dit Qutila qui soit maudit les gens qui ont fait le Mais Allah il les a appelés ashab. Vous savez ce que ça veut dire ashab. As-sahib » c'est celui qui est tout le temps avec toi, avec qui tu partages tout. Ces gens-là, ils n'ont pas laissé leurs sbires, leurs leur, leur, leur soldats faire les tranchées. Non, non, ils étaient les maîtres des travaux. Ils ont fait les tranchées par des gens et eux, ils supervisaient tout. Donc, ils sont là à vérifier et à superviser comment on va tuer celui qui dit la ilaha illallah. Regardez le Quran, Qur comme il est intemporel. Ces gens-là, c'est eux qui vont superviser. Mais Allah, dit il y a un Halim Souri qui dit, subhanallah, il dit, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont tellement aveuglés, comme, comme s'ils étaient morts. Ils n'arriveront pas, ils n'arriveront jamais au repentir. Qutila ashabul que ça les gens, ceux-là, qui tuent des milliers de gens ils ne se, ils se repentiront jamais. Même si Allah, il ouvre les portes et tout, mais Allah, il dit Alors, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Allah, il dit Un nar qui a un combustible continu. C'est quoi le combustible continu Ces gens-là, les gens du mal, ils, sont, ils ont un combustible continu de fitan pour égarer les gens. Ils n'arrêtent pas. Tout le temps, ils nous inventent quelque chose pour égarer les gens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils remettent le combustible tout le temps pour égarer les gens. Et vous savez ce que nous dit Allah Le jour du jugement, les gens qui sont en enfer, ils se chamaillent entre eux. Ils se battent entre eux. Si ce n'était pas vous, nous, on ne serait pas égarés comme nous. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة الله أكبر النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إفوا en fait يتلذذون ils ont un mal un plaisir à voir quoi les gens se faire massacrer se faire tuer et ils vous disent voilà ça cette bombe c'est pour un tel cette bombe on met le nom de quelqu'un qui les critique ici en France. Donc vous voyez bien que ce sont des gens qui ont vécu en France, qui comprennent le français, qui suivent la politique française, qui savent qu'ils les critiquent en France. Ils mettent leur nom sur une bombe, ils l'envoient. « quel est ala ma bil mu'minina Wa ma naqamu minhum illa al-hamid » Quel est leur crime, ces gens-là qui se font tuer ?« al al-hamid » Il y a deux attributs qu'Allah cite Aziz ou Hamid. Al-Aziz, c'est celui qu'on ne pourra jamais battre. Al-Hamid, c'est celui qui descend, qui descend. Tous ses bienfaits sur toi. Sahib C'est pour ça Al-Hamid, c'est pour ça hamid. Ces gens-là, ces tyrans, ils n'acceptent pas qu'on dise qu'il y a quelqu'un plus fort qu'eux. Ils n'acceptent pas qu'on dise.

الله له ملك السماوات والارض الله لا لغوه يمديسي دي تير et que ton pouvoir est éphémère et tu vas partir comme tout le monde tu peux dire tu peux raconter ce que tu veux tu partiras ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق comme tu as fait aux gens tu les as brûlés tu seras brûlé en enfer mais allah il dit الذين فتنوا ou Pourquoi ils différencient le Mu'minin ou le Mu'minat Parce qu'ils n'ont laissé personne tranquille. Ils ont laissé leur sédition, leur fitaines, leurs épreuves, ils les font subir au grand, au petit, à la femme, à l'homme, à tout le monde. C'est pour ça Allah SWT dit ils n'ont laissé personne. Ils tirent sur des enfants. Ils tirent sur des femmes qui n'ont rien demandé. Des femmes avec bébés, on tire sur eux. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Si vous n'avez pas la capacité de foi nécessaire pour comprendre l'épreuve, vous serez mais vraiment éprouvés. Vous dites, c'est pas possible qu'Allah il laisse faire tout ça. Est-ce que Allah il laisse faire tout ça Inni a'lamu ma la ta'lamun. Le malaïque, quand il dit à Allah comment tu vas laisser quelqu'un qui va faire le chaos et qui va faire répondre le sang Allah qu'est-ce qu'il dit la c'est votre épreuve à vous l'épreuve de qui des humains et qui se lève les gens les les gens aux esprits chevaleresques l'espagne c'est pas des islamo la norvège c'est pas des islamo

Regardez, Allah subhanahu dit, il ne suffit pas la foi. Effectivement, la foi, c'est bien. Mais ça veut dire que dans les moments les plus pénibles, dans les moments les plus éprouvants, ces gens-là ont continué de faire le bien. Ces gens-là ont continué de lever l'étendard d'Allah et de dire, ça, c'est une injustice. Et tu peux me faire ce que tu veux. Tu peux me baïonner, tu peux me tuer, tu peux m'amener en justice. Je ne me tairai pas parce que ça c'est une injustice et que je vais défendre la vérité où qu'elle qu soit. Inna ladina wa amilu salihat. Inna ladina wa amilu salihat. Allah subhanahu wa ta nous sommes en période d'examen. Les gens sont contents quand ils réussissent l'examen, qu'ils réussissent l'examen de rentrer à une grande école, qu'ils réussissent l'examen de médecine, qu'ils réussissent, bien. Mais Allah il nous dit le fawz c'est kabir quand quand tu gagneras l'éternité inshallah quand tu gagneras l'éternité fil jannah tu ne mesures pas Allah subhanahu wa regardez regardez comment il finit sourah regardez c'est magnifique regardez Allah subhanahu wa nous dit vous ne mesurez pas ce que font ces gens ce qu'ils font ces gens regardez bien inna euh... attention tu penses que ces gens-là ce qu'ils font c'est comme adab attention tu penses inna batachar bi khalil parce que l'hadab allah le châtiment d'allah il est doublement beaucoup plus important que ce que font ces gens-là parce que ces gens-là c'est des humains comme toi inna batachar bi khalil shadid inna huwa yubdi wa c'est lui qui donne la vie c'est lui qui l'enlève c'est lui qui va vous ressusciter et qui va vous demander des comptes inna huwa yubdi wa yurid wa huwa al raful ul wadud vous pensez, on pense que celui qui est mort, il n'est pas aimé par Allah. Bien au contraire. Bien au contraire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui un shahid, un témoin. Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui, il a enlevé la le première le premier station au paradis, vous savez ce que c'est Jannat al-Ma'wa. Il y a cinq paradis. Jannat al-Ma'wa, Jannat al-Firdaus, Jannat al-Na'im, Jannat al-Khul, Jannat ad La première station au paradis, c'est Jannat al-Ma'wa. Vous savez pourquoi elle ou le refuge. Quand vous faites une randonnée en montagne, vous arrivez à un refuge. Au refuge, vous reposez. Au refuge, vous prenez un lait chaud. Au refuge, vous avez un peu de chaleur. Le refuge, vous vous reposez. des vicissitudes de la vie de dunya C'est pour ça que la dit la première station si jannat el ma'wa. Inna ba sharbika la shadid »« Inna huwa yubdi huwa yid. Huwa al ghafur al wadud.

Allah il nous dit, ces gens-là qui sont en train de tuer des musulmans, qui sont en train de tuer les gens qui disent la ilaha illa. tu penses que c'est les premiers Non Quand il, Allah il parle d'Ashab al-Ukhdud, tu penses que c'est les premiers sur terre Non, 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 non. Firaoun avant eux, il a fait la même chose. Mais Allah il dit, qu'est-ce qu'ils sont devenus, Firaoun Hadith. Ils sont partis dans l'histoire. Aujourd'hui, on raconte leur histoire. Ces gens-là qui tuent aujourd'hui, demain, on racontera leur histoire. Tu ne resteras pas sur Terre. Regardez le Coran, comment dans les moments difficiles, il te donne quoi Il te donne une charge de foi avec laquelle tu tiens jusqu'à la fin des temps. Ce gars-là qui est en train de tuer, mais tu n'es pas éternel, mon bonhomme. Tu n'es pas éternel. Tu peux nous dire que toi, tu as été choisi, élu par Allah, comme tu veux. Et si tu as été élu par Allah, comme ça, il dit Allah. Demande la mort, puisque tu vas rencontrer Allah. Tu es l'élu d'Allah. Demande la mort. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Donc, ils ne demanderont pas. Mais surtout, surtout, ton, ton pouvoir, il est éphémère. Mais regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez. La meilleure façon, Allah leur dit, regardez la réponse. Si vous voulez en finir avec ceux qui disent la ilaha illallah. Vous avez une seule chose à faire. Vous pouvez tuer, regardez, vous pouvez tuer toute l'humanité. Vous pouvez tuer tout le monde, tous ceux qui disent la ilaha illallah. Là, les vous disent Allah, il vous a donné une chose. Vous pouvez tuer tout le monde. Vous n'arriverez jamais à extirper l'iman de l'arbre à extirper la foi de la terre. Jamais. Il y aura toujours une foi sur terre. Pourquoi Parce que le Quran majid il va durer dans le temps. Et puis surtout, il a une grâce. Il est haut. Il est, il est insupérable. Il est, tu peux faire ce que tu veux. Qui c'est qui a décidé ça Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux extraire la foi de la terre, il faut que tu en finisses avec le Coran, et ça c'est impossible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit Il nous dit, vous n'avez pas la garantie sur vos corps. Tu peux partir. Mais tu as la garantie quoi Que la foi restera sur terre. « Al-Sahaba, quand il mourait dans les hurub Riddah, soixante compagnons sont morts. » quand Moussa Abu Abou Bakr, il envoie une armée à Moussa pour combattre ce, ce, ce renégat et cette personne qui dit « moi je suis prophète aussi ». 70% de ceux qui, qui ont appris le Coran par cœur vont mourir. Ils ont eu peur pour qui Pour les gens qui sont morts Non, ils n'ont pas eu peur pour eux. Ils ont eu peur pour le Coran, qu'il n'arrive pas aux générations futures. Donc ils ont décidé de le compiler et de l'écrire. Donc si toi tu as peur pour la foi, n'aie pas peur. L'islam, la foi, la ilaha illallah, ça n'appartient à personne. Ni toi, ni moi. « Wa Tu as décidé de, te, de tourner le dos C'est pas grave, Allah n'a pas besoin de nous. Allah n'a pas besoin de nous. Tu as décidé de défendre la cause d'Allah ?« Ala barakatillah » Tu seras au paradis, inchallah Mais sache que cette din il arrivera là où il arrivera, bi tu peux anéantir toute la Palestine, Allah il fera renaître la foi sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous parle sur le Coran, il nous parle de l'eau qui descend du ciel, et l'eau qui descend du ciel fait revivre la terre, Eh bien comme Allah il fait revivre la terre, Allah, il fait revivre les cœurs, il fait revivre la foi dans le cœur des hommes et le cœur des femmes. Donc n'ayez pas peur pour la foi, n'ayez pas peur pour l'islam. Tu ne pourras jamais exterminer un peuple. Fais ce que tu veux. Mais vous avez vu comment Allah nous décrit dans une sourate ce que nous sommes en train de vivre. Hajib, Hajib. suffit juste qu'on se pose avec le Coran. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله ايها الاخوه أه c'est vrai nous vivons des temps difficiles effectivement mais quand vous comprenez ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous tout paraît facile Quand vous comprenez ce qu'Allah attend de nous, les épreuves qu'il a fait subir aux gens avant nous et qu'il nous fera subir, parce que les temps sont difficiles, ok. Pays des Lumières, nous sommes au pays des Lumières, pays qui a la philosophie, de... la philosophie des lumières a envahi le monde. En France, vous pouvez tout critiquer. Le président de la République, c'est le fondement de la démocratie, le Premier ministre, les journaux, ce que vous voulez. Vous pouvez tout critiquer. Le prophète de l'islam, je ne vous dis pas. Le droit au blasphème, on nous dit. Mais vous ne pouvez pas faire une blague sur le Premier ministre israélien. Attention Tu passes au tribunal. Mais on est dans un pays de droit, non Délit d'opinion. La ilaha illallah. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allahumma insur al-islam wa al-muslimin. Allahumma fi fiman hadayt. Wa fi fiman afayt. Wa ta'ul fi fiman ta'ul Wa barik lana atayt. وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون عليه علينا به مصائب الدنيا اليقين سيسكن في تنير ايها الاخوه اللهم انصر اخواننا في فلسطين وكن معهم ولا تكن عليهم اللهم عليك باعدائهم، اللهم عليك باعدائهم، اللهم انصرهم على اعدائهم، واقبضهم عندك من الشهداء يا رب العالمين، اللهم من بقي حيا منهم فاجعله يحيا بنورك يا رب العالمين، عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا الى صلاتكم بارك الله